n'arrive jamais que une famille qui. Comment c'est pas possible d'avoir quelque chose ici, quoi. Donc ça vit. Et voilà, c'est comme ça qu'ils se retrouvent. Ça va, Philippe? Ça va. Si tu les vas, on y va ce soir. Ce soir, ouais. Ah bah ouais, on y va ce soir, c'est bien. C'est un petit coup à prendre, après c'est facile. Voilà, ça y est, c'est bon. Waouh! Voilà, on est au sud de Tahanea, presque seul au monde parce qu'on est juste avec un seul bateau. Et là, on est dans des couleurs extraordinaires, des variations de bleu, de vert, je ne sais pas combien de couleurs il y a. Depuis 2 jours, il n'y a pas de vent, donc ça nous change un peu. Ça repose, c'est très calme. On entend les oiseaux. Et vraiment, mais là, on en prend plein les yeux. Pour l'instant, je crois que c'est l'endroit le plus beau qu'on ait jamais vu au Tuamotu. On peut penser pour les SDF. C'est vrai, c'était grâce à Patrick et René des SDF, Saltimbanque des Flots, qui nous avaient conseillé de venir ici en cas de confinement pour rester le mois de confinement ici. Bon, on a fait les perlas à la place, mais c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, il y a quelques récolteurs de copra, pas d'internet du tout, donc on aura peut-être été vraiment coupé du monde. Mais bon, il y a de quoi pêcher, il y a plein de cocotiers partout. Ça aurait été vraiment un endroit de confinement un peu extraordinaire. Waouh, c'est calme. Je sais pas si c'est calme comme ça partout en ce moment. Là où il faut. Allez, on traverse la mer. Toujours au sud de l'atoll de Tahanea, on a rencontré les pêcheurs locaux qui vivent dans une petite maison sur le Motu, et donc ils nous proposent d'aller découvrir la chasse au crabe coco. Voilà, donc on est en train de récupérer notre copain bateau et nous partons découvrir le crabe coco. Bon, alors maintenant on cherche un trou, des trous. Oh, on se croirait dans la jungle. Le crabe, il va partir de là à là. Non. Tu reviens ce soir en pleine nuit, il nous entend pas, il entend pas que tu marches sur les feuilles et tout. Donc comment tu vas faire? Obligé de marcher.
Ah oui. Aller les chercher. Il faut aller vite, vite, vite. Voilà, donc tous les pièges de ranis sont installés, accrochés sur le bas des arbres. Maintenant, il faut attendre parce que le crabe va sortir à la nuit tombante. Donc, on reviendra vers 8-9 heures ce soir pour voir si les crabes de coco se sont en train de se régaler sur les noix de coco qu'on leur a amenées. Voilà, on vient d'arriver sur la plage, il est 9 heures du soir et la chasse aux crabes coco va commencer.